gauche. Cuando miramos una boca, on la divise. La dividimos. Le haut et le bas. El arriba y el abajo. Et la droite et la gauche. Y la derecha y la izquierda. Mais quand vous regardez le dessin, pero cuando miráis el dibujo, la droite est ici. La derecha está aquí. Et la gauche. Y la izquierda est ici. Está aquí. Donc il faut juste retourner. Entonces hay que girarlo solamente. L'image. La imagen. C'est important. Es importante. Parce que quand je vous montrerai une de vos dents, porque cuando os muestre uno de vuestros dientes, que va a estar aquí en la imagen, c'est ici dans votre es aquí en vuestra boca. Il faut inverser. Hay que invertirlo. Ensuite, después, les dents sont numérotées. Los dientes están numerados. Depuis le milieu, desde el medio jusqu'au fond de la hasta el fondo de la boca. Les dents 1 et 2 los dientes 1 y 2 sont des incisives. Son incisivos. La dent numéro 3, el diente número 3 est une canine. Es un canino. Les dents numéro 4 et 5, los dientes número 4 y 5 sont des prémolaires. Son premolares. 6, 7 et 8, 7 y 8 sont des molaires. Son molares. Mais pero, la dent numéro 8, el diente número 8 est appelée dent de sagesse. Se llama mola del juicio. Et elle est en dehors du groupe des molaires. Y está por afuera del grupo de molares. Par rapport à plein de notions. En relación a muchas nociones. On l'appelle le llamamos dent de sagesse. Mola de justicia, de la sabiduría. En France. En Francia. En Allemagne. En Alemania. Et en langue anglaise. Y en lengua inglesa. En langue. En lengua espagnol. Española. Catalán aussi. Catalán también. Sí. No tiene nombre. Sí. De no sé, oui, de sagesse. De sagesse. De sagesse. Oui. Ok. Ça s'appelle la dent de justice. Se le llama la mora del juicio. Del juicio. Sí. Et en Corée. Y en Corea. Et au Japon. Y en Japón. C'est un drôle de nom. Es un nombre muy curioso. Ils l'appellent. Le llaman. La dent que les parents ne voient pas. El diente que los padres no ven. Parce qu'elle pousse. Porque crece. Après. Después. Normalement. Normalmente. Le départ de la maison. Después de la ida de la casa. Voilà. Mais bon. Dent numéro 8. Pero bueno, el diente número 8. Dent de justice. La mola de la juicio. Il y a 5 familles. Hay 5 familias. Dans votre bouche. En vuestra boca. 5 familles dentaires. 5 familias dentales. Voilà. Incisivos, canines, incisivos caninos, premolares, molares y molas de juicio. Es simple. Elles sont associées se asocian aux méridiens d'acupuncture. Se asocian a los meridianos de acupuntura. Depuis toujours. Desde siempre. Les Chinois le font depuis toujours. Los chinos lo hacen desde siempre. Donc si ça vous intéresse. Entonces si eso os interesa. Et c'est intéressant si vous êtes dentiste. Y es interesante si sois dentista. Et que vous travaillez. Y trabajáis médecins, con médicos chinos que hacen acupuntura, pero también para todo aquello que es descodificación. Alors, entonces, nous avons tenemos le rein, el riñón et la vessie, y la vejiga. Ce sont les incisives, son los incisivos. Dent numéro 1, diente número 1, le rein, el riñón. Et le 2, el dos, la vessie, la vejiga, en haut et arriba en bas, y abajo, à droite et à gauche, a derecha y a izquierda, droite et gauche c'est pareil, derecha e izquierda es lo mismo, haut et bas, arriba abajo, il y a un changement, hay un cambio, je vous le dirai, os lo diré, la canine, el canino, foie, hígado, et vésicule biliaire, y vesícula biliar, en haut et en bas, arriba y abajo. En haut. Arriba. Prémolaire. Prémolar. Poumon. Pulmón. Et gros intestin. Y intestino grueso. En haut. Arriba, ¿eh? En bas. Abajo. On les retrouve sur 6 et 7. Lo encontramos en 6 y 7. Ils sont échangés. Se han intercambiado. Du haut, de arriba, rate, et bazo, et pancréas, y pancreas, 7, estómago.
que l'on va retrouver sur les prémolaires du bas. Que vamos a reencontrar en los premolares de abajo. Rate pancréas. Cuatro páncreas. Cuatro bazo. Et pancréas. Y páncreas. Y cinq estomacs. Y cinco estómago. Donc elles sont aussi échangées. Entonces también se han intercambiado. Et la dent numéro 8. Y el diente número 8. En haut et en bas. Y abajo. Cœur. Corazón. Maître cœur. Maestro corazón. C'est un terme de médecine chinoise. Es un término de medicina china. Intestin grêle. Intestino delgado. Et le triple réchauffeur. Y el triple calentador. Cœur. Corazón. Maître cœur. Maestro corazón. Intestin grêle. Intestino delgado. Et triple réchauffeur. Y triple calentador. Voilà, c'est de la médecine chinoise. Aquí tenéis medicina china. La dent. El diente. En tant que organe. Como órgano. Est soutenu. Está sostenido. Par le méridien du rein. Por el meridiano del riñón. Mais. Pero. Chacune de vos dents. Cada uno de vuestros dientes. Est placé dans votre bouche. Está ubicado en vuestra boca. Au contact. En contacto. D'un des 12 méridiens d'acupuntura. De uno de los 12 meridianos de acupuntura. Et c'est ce contact. Y es ese contacto. Dans votre bouche. En vuestra boca. Qui est décrit ici. Lo que se describe aquí. Vos méridiens. Vuestros meridianos. Passent à l'extérieur de votre corps. Pasan al exterior de vuestro cuerpo. Et à l'intérieur de votre bouche. Y al interior de vuestra boca. Et chaque dent. Y cada diente. Est collé sur un méridien. Está pegado a un meridiano. Et elle sert. Y sirve. D'aiguille d'acupuncture permanente. De acupuntura permanente. Parce que. Porque. Votre dent. Vuestros dientes. Est un cristal. Son cristales. Vous avez normalement. Tenéis normalmente. Reçu ceci. Avez recibido normalmente esto. Donc vous avez le dessin d'une dent en haut. Entonces tenéis el dibujo de un diente arriba. Qui vous explique. Que os explica. Que la première couche. Que la primera capa. Que vous pouvez voir dans votre bouche. Que podéis ver en vuestra boca. C'est de l'émail. Es esmalte. Qui est formé. Está formado. D'un minéral. De un mineral. Qui s'appelle. Que se llama. Hidroxiapatite. Hidroxiapatita. Da. Sí. L'apatite. L'apatita. Est un cristal. Es un cristal. Naturel. Natural. Qui existe dans la terre. Que existe en la tierra. 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 Dans le globe terrestre. En el globo terráqueo. On retrouve l'apatite. Reencontramos la hepatita. C'est un cristal très ancien. Es un cristal muy antiguo. Au niveau de la formation des minéraux. A nivel de formación de minerales. Et il vient du mot grec. Y viene de la palabra griega. Apatam. Apatam. Qui veut dire tromper. Que quiere decir engañar. Parce que il ressemble parfaitement au diamant. Porque se parece perfectamente al diamante. Il a les mêmes couleurs. Tiene los mismos colores. La même structure. La misma estructura. Et beaucoup ont cru avoir trouvé des diamants. Y muchos creyeron haber encontrado diamantes. Mais ce n'était pas du diamant. Pero no era diamante. Et donc ils l'ont appelé apatite. Entonces le llamaron apatita. Parce que ça trompe. Porque eso engaña. Mais c'est dans votre bouche. Pero está en vuestra boca. Et comme tous les cristaux de la nature. Y como todos los cristales de la naturaleza. C'est un diélectrique. Es un diélectrico. Si vous prenez un morceau de cristal. Si tomáis un pedazo de cristal. Il est électriquement polarisé. Está eléctricamente polarizado. Comme une pile. Como una pila. Et dans votre bouche. Y en vuestra boca. Chaque unité de cristal. Cada unidad de cristal. Va pouvoir glisser. Va poder desplazarse. De manière très très infime. De manera muy muy ínfima. Mais. Pero. Le frottement de deux cristaux. El frote entre dos cristales. Provoque une charge électrique. Provoca una carga eléctrica. Qui est une électricité statique. Que es una electricidad estática. Et la dent. Y el diente. Se comporte. Se comporta. Comme un condensateur. Como un condensador.
Il se charge. Se carga. Et quand il est au contact. Y cuando está en contacto du méridien, con el meridiano, il décharge. Descarga. Et y il y a circuit d'électricité. Hay el circuito de electricidad. Grâce à la salive. Gracias a la saliva. Qui est dans votre bouche. Que está en vuestra boca. Voilà, tout ceci. Todo eso. N'est pas ésotérique. No es esotérico. C'est totalement physique. Es totalmente físico. Et j'ai longtemps travaillé avec des acupuncteurs. Y he trabajado muchísimo tiempo con acupuntores. Qui essayaient de rétablir l'équilibre. Que intentaban restablecer el equilibrio. Et qui n'y arrivaient pas. Y que no llegaban a ello. Parce que vous savez. Porque sabéis. Dans la bouche pour réparer. En la boca para reparar. On utilise du métal. Utilizamos metal. Et notamment l'amalgame. Y sobre todo los amalgamas. Problème dramatique. Problema dramático. C'est que lorsque l'on met des métaux. Es que cuando ponemos metales. Dans un liquide. En un líquido. Salé. Salado. Ça provoque l'électricité. Eso provoca electricidad. C'est une pile électrique. Es una pila eléctrica. L'amalgame dentaire. El amalgama dental. Est formé de zinc. Está formado por zinc. D'argent. Et plata. Plata. Cobre. Étain. Estaño. Et ces métaux à l'état de poudre. Estos metales en estado de polvo. Sont mélangés. Se mezclan. Avec un métal liquide. Con un metal líquido. Qui est le mercure. Que es el mercurio. Et si on met ça. Y si ponemos eso. Dans la salive. En la saliva. Ça peut provoquer jusqu'à 680 millivolts. Puede provocar hasta 680 millivolts. C'est énorme. 680 millivoltios, es enorme. C'est énorme parce que dans une bouche. Es enorme porque en una boca. D'européens. D'européos. Il y a en moyenne. Hay en media. 9 amalgames. 9 amalgamas. Et donc la production est gigantesque. Entonces la producción es gigante. L'inconvénient de l'électricité. El inconveniente de la electricidad. Dans la bouche. En la boca. C'est que c'est à 2 cm. Es que está a 2 cm du cerveau. Del cerebro. Qui fonctionne. Que funciona. Avec de con electricidad. Et avec des différences de potentiel. Y con diferencias de potencial. De 11 millivolts. De 11 millivolts. Quand on connaît un peu la physique. Y cuando conocemos un poco la física. On sait. Sabemos. Qu'un courant électrique. Que una corriente eléctrica. Produit un champ. Produce un campo electromagnético et que les champs électromagnétiques y que los campos electromagnéticos entrent en compétition entran en competición et le plus fort y lo más fuerte perturba le plus faible el más débil quand ils ont construit vos téléphones portables cuando construyeron vuestros teléfonos móviles chaque composant cada componente qui fonctionne que funciona est mis dans une structure de blindage. Está puesto en una estructura de blindaje. Pour ne pas perturber la voisine. Para no perturbar al vecino. Dans votre bouche. En vuestra boca. Non. Non. Est-ce que c'est un problème? Esto es un problema. Ça dépend de chacun. Ya depende de cada uno. Parce qu'il n'y a pas de loi. Porque no hay leyes. Il n'y a pas de catalogue. No hay catálogos. Pour les êtres humains. Para los seres humanos. Nous sommes capables de tous les comportements. Somos capaces de todos los comportamientos. Donc il faut savoir reconnaître. Entonces hay que saber reconocer. Personnes que personas qui sont sensibles à ça. Que hay personas que son sensibles a ello. Tout le monde ne l'est pas. Todo el mundo no lo es. Et tout le monde y todo el mundo ne l'est pas au même moment. No lo es al mismo momento. Parce que tout change. Porque todo cambia. Donc dans une période de votre vie, entonces, en un periodo de vuestra vida, vous pouvez supporter. Podéis soportar. Et dans une autre. Y en otro, vous ne supportez plus. Pues ya no lo soportáis más. L'image. La imagen. C'est celle-là. Es esta. Imaginez. Imaginar. Qu'il y a une onde de vie. Imaginar que hay una onda de vida. Nécessaire à l'équilibre. Necesaria para el equilibrio. Et que votre structure. Y que vuestra estructura. Est capable. Es capaz. De résister. De resistir. À des modifications. A modificaciones. C'est-à-dire que s'il y a un événement perturbant. Es decir que si hay un evento perturbante. Qui augmente la quantité d'énergie. Que aumenta la cantidad de energía. Tant que c'est en dessous. Mientras esté por abajo, de la limite acceptable, de limite aceptable, vous n'êtes pas en manifestation biologique. No estáis en manifestación biológica. Votre structure absorbe, vuestra estructura lo absorbe, répartit, reparte, et vous êtes tranquille. Y estáis tranquilos.
Cette limite d'absorption, este límite de absorción, elle change. Cambia. Elle change avec la fatigue. Cambia con la fatiga, con el cansancio, stress, con el estrés, avec l'âge, con la edad, avec plein de choses. Con muchas cosas. Mais aussi, pero también, quand on introduit dans la structure, cuando introducimos en la estructura, des éléments perturbants. Elementos perturbantes. Ça veut dire que un courant électrique, es decir, que un corriente eléctrico, dans votre bouche, de la boca, va utiliser une partie de l'amortisseur, de l'amortisseur pour s'équilibrer. Para equilibrarse. Et ce que vous pouviez vivre, y lo que podéis vivir sans l'exprimer, sin expresarlo, dans votre biologie, en vuestra biología, subitement, subitamente, dépasse la limite acceptable. Sobrepasa el límite aceptable. Et le corps, y el cuerpo, va utiliser un organe, va utilizar un órgano, en modifiant sa physiologie, modificando su fisiología, pour libérer l'énergie. Para liberar la energía. Pour exprimer le problème. Para expresar el problema. Ça s'appelle l'adaptation. Se le llama adaptación. Si j'enlève l'amalgame. Si quito la amalgama. Tous les amalgames. Todos los amalgamas. Ceci. Esto. Remonte. Vuelve a subir. Et l'expression disparaît. Y la expresión desaparece. Mais pas le stimulant. Pero no el estimulante. Parce que ceci. Porque esto. Existe toujours. Existe aún. Sauf que le corps ne l'exprime plus. Salvo que el cuerpo no lo expresa más. Et alors on dit. Y decimos. Vous voyez. Entonces, ¿veis? L'amalgame vous rendait malade. El amalgama os volvía enfermo. Et il faut les enlever. Y hay que quitarlos. Et moi je dis non. Pues yo digo no. Ce qui vous rend malade. Lo que os vuelve enfermos. C'est ça. Es esto. C'est pas l'amalgame. Que no es el amalgama. Et ça. Y esto. Ça s'appelle un stress. Se llama un estrés. Psycho. Psycho. Émotionnel. Emocional. Inconscient. Inconsciente. C'est le plus important. Eso es lo más importante. Il est inconscient. Es inconsciente. Il est vécu. Y es vivido. À l'intérieur de vous. En el interior vuestro. Sans que vous puissiez en être conscient. Sin que podáis ser conscientes de ello. Pour déclencher une maladie. Para desencadenar la enfermedad. Il faut. Se necesita. Une situation. Émotionnelle. Emocional. Vécue isolément. Vivida con aislamiento. Et je n'en parle pas. Y no hablo. Et je la refoule. No hablo y la reprimo. De ma conscience. De mi conciencia. Et elle va être prisonnière. Entonces va a estar encarcelada. De ces systèmes naturels. En este sistema natural. D'adaptation. De adaptación. Enlever des amalgames. Quitar amalgamas. Donne juste le silence au corps. Solamente da silencio para el cuerpo. Mais vous laisse dans un état perturbé. Pero os deja en un estado perturbado. Dans la dimension. Psycho-émotionnel y la dimensión psico-emocional et dans votre inconscient. Y en vuestro inconsciente. Moi je dis yo digo que ceci est bien pour l'animal. Que esto está bien para el animal. Mais pas pour l'être humain. Pero no para el ser humano. Parce que le devoir de l'être humain. Porque el deber del ser humano est un devoir de conscience. Es un deber de conciencia. Pas d'équilibre biologique. No de equilibrio biológico. Et pour accéder. Y para acceder a la conscience, a la conciencia, il n'y a rien d'autre, no hay nada más que le verbe, que el verbo, rien, nada, absolument rien, absolutamente nada, ne peut éveiller la conscience, no puede despertar la conciencia, ça peut calmer les structures, puede calmar la estructura, autour de votre noyau de conscience, alrededor de vuestro núcleo de conciencia, mais ça ne fait pas évoluer votre conscience, pero eso no hace evolucionar vuestra conciencia. Même l'homéopathie, incluso la homeopatía, qui est une médecine extraordinaire, es una medicina extraordinaria, ne peut pas modifier votre structure psycho-émotionnelle, no puede modificar vuestra estructura psico-emocional, de manière durable, de manera duradera, elle peut effacer quelque chose, puede borrar algo, un temps, un tiempo, et tout revient, y todo vuelve, parce que, porque, la conscience, la conciencia, ne peut être touchée que par le verbe, solamente puede ser tocada por el verbo, voilà pourquoi le décollage dentaire, aquí tenéis el porqué la descodificación dental, et pour moi, es para mí, la découverte la plus, el descubrimiento más importante para la humanidad, de pouvoir mettre des mots, poder poner en palabras, précis, precisas, a partir d'un endroit de votre corps, a partir de un sitio de vuestro cuerpo, qui est votre bouche, que es vuestra boca, pour entendre, para entender, votre inconscient, a vuestro inconsciente, et donc
entrer en relación. Y entonces entrar en relación. Avec vous-même. Con vosotros mismos. Le décollage dentaire. La descodificación dental. Est un chemin. Es un camino. De connaissance de soi. De conocimiento de uno mismo. Oui, c'est un outil thérapeutique. Sí, es una herramienta terapéutica. Oui, vous pouvez soulager une douleur. Sí, podéis aliviar un dolor. Mais ça n'a aucun sens. Pero eso no tiene ningún sentido. Si celui qui habite dans cette maison. Si el que habita en esa casa. Continue de dormir. Continúa durmiendo. C'est très simple. Es muy simple. Mon objectif, mi objetivo, qui m'a amené à tout ça, que me ha llevado a todo eso, était un objectif de dentiste. Era un objetivo de dentista. J'avais des patients qui avaient mal. Tenía los pacientes que tenían dolor. Et avec tout ce qu'on m'avait appris, y con todo lo que me habían enseñado, il y avait des patients, había pacientes qui avaient toujours mal, que tenían algún dolor, et moi, ça, je supportais pas. Y eso yo no lo soportaba. Donc j'ai cherché. Entonces busqué. Et je suis arrivé dans sa structure. Y llegué a esta estructura. Et ça a été merveilleux. Y eso fue maravilloso. D'une part les gens. De una parte la gente. Avec quelques mots. Con algunas palabras. Avaient une disparition instantanée de la douleur. Tenían una desaparición instantánea del dolor. Et le moins merveilleux. Y lo menos maravilloso. C'est qu'ils m'appelaient tout le temps. Es que me llamaban todo el rato. Ils n'avaient plus besoin de venir au cabinet dentaire. Ya no necesitaban venir al despacho dental. Pour la douleur. Para el dolor. Ensuite, después, j'ai compris que ce n'était pas l'essentiel. Comprendí que no era esencial. L'essentiel de cette connaissance. Lo esencial de este conocimiento. C'est la connaissance de soi. Es el conocimiento de uno mismo. C'est de découvrir comment fonctionne un être humain. Es descubrir cómo funciona un ser humano. Et de découvrir toutes les structures. Y descubrir todas las estructuras. Dans la structure de la conscience. En la estructura de la conciencia. Parce que la conscience. Porque la conciencia. N'est pas un quelque chose. No es un algo. C'est une fonction. Es una función. Avec plusieurs niveaux. Con varios niveles. La première leçon fondamentale. La primera lección fundamental. Du décodage dentaire. De la descodificación dental. Pour moi. Para mí. A été de comprendre. Fue comprender. Que dans mon inconscient. Que en mi inconsciente. Il y a un inconscient biologique. Hay un inconsciente biológico. Rempli de mémoires. De mes aïeux. Lleno de las memorias de mis ancestros. Que on appelle le transgénérationnel. Es lo que llamamos el transgénérationnel. Et ce que la médecine appelle. Y lo que la medicina llama. L'épigénétique. La epigenética. C'est la même chose. Es la misma cosa. Ce sont des mémoires. Son memorias. D'instincts comportementaux. Instintos comportamentales. Transmis. Transmitidos. Par la généalogie. Por la genealogía. Pour nous permettre de réagir. Para permitirnos reaccionar. Dans un théâtre particulier. En un teatro particular. Pour survivre. Para sobrevivir. C'est simple. Es simple. Ça fonctionne comme ça. Funciona así. Pour toutes les cellules biologiques. Para todas las células biológicas. Et donc pour l'être humain aussi. Entonces para el ser humano también. Ou alors on est des Robocop. O bien somos Robocops entonces. Ensuite. Et después, le deuxième enseignement fondamental, la segunda enseñanza fundamental, c'est qu'il y a une structure à l'intérieur de moi, es que hay una estructura en el interior mío, qui va écrire dans une mémoire, que va escribir en una memoria, mes expériences, mis experiencias, ce sont des expériences acquises, son experiencias adquiridas, qui viennent augmenter la mémoire, que vienen a aumentar la memoria, de tous les miens, de todos los míos, parce que si je me reproduis, porque si yo me reproduzco, je dois transmettre ça à ma descendance. Tengo que transmitir eso a mi descendencia. Et ce sont des mémoires psycho-émotionnelles. Son memorias psico-emocionales. Ce ne sont pas des mémoires émotionnelles. No son memorias emocionales. Parce que la mémoire des émotions. Porque la memoria de las emociones. Elle est transmise par la biologie. Se transmite por la biología. Vous ne pouvez pas. No podéis. Inventer une émotion. No podéis inventar una emoción. Le catalogue des émotions. El catálogo de las emociones. Est transmis par la mémoire biologique. Se transmite por la memoria biológica. La chose que vous apprenez. La cosa que aprendéis. Et que vous inventez. Y que inventáis. Mais vous ne l'inventez pas. Pero no la inventáis. C'est le stimulus. El estímulo. De votre monde. De vuestro mundo. Capable de déclencher. Capable de disparar. Le mouvement d'une émotion. El movimiento de una emoción. Le stimulus extérieur. El estímulo exterior. Dépend de votre biotope. Depende de vuestro biotopo. Mais l'émotion. Pero la emoción. Ne dépend pas du biotope. No depende del biotopo. Ni de vous. Ni de vosotros. C'est à l'intérieur. De chacun de nous. Está al interior de cada uno de nosotros. Ce que nous faisons. Lo que hacemos. C'est le catalogue. Es el catálogo. Des stimulus. De los estímulos capable de déclencher les émotions. Capaz de desencadenar emociones. C'est simple. Es simple, ¿eh? Pourquoi? ¿Por qué?
Parce que l'être humain ne vit pas seulement dans un biotope, no solamente vive en un biotopo, mais dans une biocénose. Sino una biocenosis. Ça veut dire quoi? Que significa eso? Ça veut dire que dans ce biotope, quiere decir que en ese biotopo, apparaissent des structures vivantes, aparecen estructuras vivas, qui rentrent en relation avec moi, que entran en relación conmigo. Et c'est là y es allí que je dois apprendre. Donde tengo que aprender. Par rapport à la nature, en relación a la naturaleza, il y a tout qui est inscrit. Está todo que está inscrito. Et si je vis dans le même biotope, y si vivo en el mismo biotope que mes parents, que mis padres, que leurs parents, que sus padres, que leurs parents, que sus padres, je n'ai plus qu'à réapprendre, solamente tengo que réapprender que cette chose, que esa cosa, identique pour tous les miens, idéntica para todos los míos, puisqu'ils n'ont jamais bougé, porque nunca se movieron, produit cette émotion. Me produce esa emoción. Et pourquoi je dois l'apprendre? ¿Y por qué lo tengo que aprender? Parce que chaque émotion, cada emoción est associée à un programme biologique. Está asociada a un programa biológico. Et je dois apprendre. Y tengo que aprender. Ce qui fait peur. Lo que da miedo. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que ma structure. Porque mi estructura. A la reacción instintiva. Tiene la reacción instintiva. Donc le comportement parfait. Entonces el comportamiento perfecto. Pour échapper à la source de la peur. Para escapar de la fuente del miedo. Et c'est ça que nous apprenons. Y eso es lo que aprendemos. La peur. El miedo. Est le stimulus le plus puissant. Es el estímulo más potente. Que votre biologie. Que vuestra biología. Doit connaître. Tiene que conocer. Elle doit connaître ce qui fait peur. Tiene que conocer lo que da miedo. Et le comportement adapté. Y el comportamiento adaptado. Il y en a deux. Hay dos. Il y a éloignement. Está el alejamiento. Ce qu'on appelle la fuite. Lo que llamamos la huida. Mais c'est pas forcément une fuite. Pero no forzosamente es una huida. Ça peut être un échappement. Puede ser un escape. Et il y a si vous êtes puissant. Y está si sois potentes. Le combat. El combate. Pour lutter contre celui qui vous attaque. Para luchar contra aquel que os ataca. Ça, c'est fondamental. Eso es fundamental. Et il existe. Y existe. De rares espèces. En raras especies. Qui ont un troisième programme. Que tienen un tercer programa. C'est simuler la mort. ¿Qué es el simular la muerte? Simuler la mort. Simular la muerte. Est un système de défense. Es un sistema de defensa. Et on a une vidéo. Y tenemos un video. Extraordinaire. Extraordinario. D'un animal. De un animal. Debout. De pie, un chien s'approche. Un perro se aproxima. L'animal. Y el animal. En une fraction de seconde. En una fracción de segundo. Il se met sur le dos. Se mete así. Et il fait le mort. Y se hace un muerto. Et le chien vient. Y el perro se viene. Et il s'en va. Y se va. Ce sont des programmes de survie. Son programas de supervivencia. Et tous les programmes. Y todos los programas. Biologiques. Biológicos. Donc d'une cellule. De una célula entonces. Sont transmis. Son transmitidos. À la psychologie. A la psicología. Et votre psychologie. Y vuestra psicología. Le qui vous êtes. El quiénes sois. Reproduit ces comportements. Reproduce esos comportamientos. Par rapport à un être humain. En relación a un ser humano. Et vous allez apprendre. Y vais a aprender. Des comportements. Comportamientos. De quelqu'un. De alguien. Qui vous font peur. Que os da miedo. Et qui vont provoquer tous ces systèmes. Y que van a provocar todo ese sistema. Mais. Pero. C'est dommage. Qué pena. Parce que normalement. Porque normalmente. Dans la même espèce. En la misma especie. Il n'y a pas. Et le prédateur. No está y. Il n'y a pas le prédateur. No está el depredador. Et la proie. Y la presa. Sí, sí. Une espèce. Una especie. Ne se mange pas entre elles. No se come entre ella. Les lions. Los leones. Mangent les gazelles. Se comen gacelas. C'est cruel. Es cruel. Non. No. C'est la vie. Es la vida. Et le problème des humains. Y el problema en los humanos. C'est qu'ils se mangent entre eux. Es que se comen entre ellos. Donc. Entonces. Notre mémoire sait. Nuestra memoria sabe. Que dans ce groupe. Que en ese grupo. Il y a des prédateurs. Está están los depredadores. Et il y a des proies. Y están las presas. À vous de choisir. Están vosotros elegir. Si vous êtes des proies. Si sois presas. Ou des prédateurs. O depredadores. Et si vous voulez être des prédateurs. Y si queréis ser depredadores. Donc ne plus être des victimes. Entonces ya no ser más víctimas. Réveillez votre combattant. Despertad vuestro combatiente. Rencontrez votre violence. Reencontrad vuestra violencia. Elle cache votre puissance. Que esconde vuestra potencia. Et cette puissance. Y esa potencia. Est nécessaire. Es necesaria. Pour le combattant. Para el combatiente. Alors vous sortirez. Entonces saldréis. De votre détermination.
saldréis de vuestra determinación identitaria que dice que, vous êtes des victimes. Que sois víctimas. Une victime una víctima est une proie. Es una presa. Et si elle est une proie, y si con una presa, la loi de la nature, la ley de de la nature, la naturaleza veut quiere que vous rencontriez votre prédateur. Que encontréis vuestro depredador. C'est obligatoire. Es obligatorio. Toutes les gazelles du monde. Todas las gacelas del mundo ont rencontré le lion. Encontraron el león. Devenez des lions. Volveros leones. Arrêtez d'être végétariens. Basta ya de ser vegetarianos. Rencontrez votre violence. Reencontrad vuestra violencia. Assumez votre violence. Asumid vuestra violencia. Ne l'utilisez pas. No la utilicéis. Mais touchez-la. Pero tocadla. C'est la puissance. Es la potencia. De votre prédateur. De vuestro depredador. Et un prédateur. Y un depredador. Ne s'attaque pas. No se ataca. À un prédateur. A un depredador. Vous n'aurez plus jamais besoin de vous battre. Ya no tendréis ninguna necesidad nunca más de luchar. C'est comme ça. Es así. La notion de prédateur et de proie est très importante. Muy importante. D'un point de vue phylogénétique, desde un punto de vista filogenético, il existe, existe une échelle, existe una escalera alimentaire, alimenticia, qui nous dit, que nos dice, telle espèce, tal especie, qui est ici, que está aquí, mange, se come, celle qui est ici, la que está aquí, mais, pero est mangée es comida par celle qui est au-dessus. Por aquella que está por encima. C'est l'échelle alimentaire. Es la escalera alimenticia. Vous connaissez? ¿Conocéis eso? Voilà. Et y une loi una ley de la nature. De la naturaleza. C'est-à-dire, c'est pas un vice. Es decir, no es un vicio, ¿eh? C'est que plus on est en haut es que cuanto más arriba estemos de l'échelle de la escalera alimentaire, alimenticia, plus on va stocker más vamos a almacenar les métaux lourds. Los metales pesados. ¿Conocéis les métaux lourds? ¿Conocéis los metales pesados? Y el mercurio. Está el mercurio. Par exemple. Por ejemplo, le mercure el mercurio est un métal lourd. Es un metal pesado. Et il y a des structures vivantes. Y están las estructuras vivas. Qui ont que 9 amalgames dans la bouche. Que tienen 9 amalgamas en boca. Et qui ne stockent pas le mercure. Y que no almacenan el mercurio. Jamais. Nunca. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que quelque chose. Porque algo. De la psychologie. De la psicología. S'est placé. S'est ubicado. À un niveau de la chaîne alimentaire. A un nivel de la escalera alimenticia. Qui n'est pas le sommet. Que no es la cima. Et si, y si vous rencontrez des gens y si os encontráis con gente avec deux amalgames, con dos amalgamas et des teneurs en mercure y una, un porte en mercurio énorme, enorme, c'est la conséquence la consecuencia d'une structure psychologique de una estructura psicológica qui dit que dice, moi, yo, je suis tout en haut. Yo estoy bien arriba. C'est ce qu'on appelle des conflits d'orgueil. Es lo que llamamos conflictos de orgullo. Les conflits d'orgueil de l'ego. Los conflictos de orgullo del ego. Parce que c'est lui porque es él qui détermine la nature psychologique. El que determina la naturaleza psicológica. Ce qu'on appelle le catalogue identitaire. Lo que llamamos el catálogo identitario. Et vous verrez, y vais a ver avec certaines dents, con ciertos dientes qu'il y a dans la structure psychologique humaine, que la estructura psicológica humana hay, il y a toujours hay siempre des zones, zonas où on découvre donde descubrimos la lutte, la lucha de l'homme, el hombre face au dominant. Al dominante. Et il n'y a pas que les dominants terrestres. Y no solamente están los dominantes terrestres. Il y a un dominant dramatique. Hay un dominante dramático. Psicopata. Psicópata. Que s'appelle Dieu. Que se llama Dios. Et il y a dans toutes les structures psychologiques. Y en todas las estructuras psicológicas hay. Il y a un terroriste. Hay un terrorista. Qui dort. Que duerme. Pour un jour. Para que un día. Se réveille. Que se despierte et faire la guerre avec Dieu. Y haga la guerra contra Dios. Et vous verrez pourquoi. Y vais a ver por qué. Parce que Dieu porque Dios n'existe pas. No existe. Pour la structure psychologique. Para la estructura psicológica. Ce sont les transferts. Son transferencias. D'accord. Donc on ne lutte pas contre Dieu. No luchamos contra Dios. On lutte contre un représenté de Dieu. Luchamos contra una representación de Dios. Et le premier Dieu de votre vie. Y el primer Dios de vuestra vida. C'était. Fue. Votre père. Vuestro padre. Non, c'est pas vrai. Ah non, no es verdad. Le premier Dieu de votre vie. El primer Dios de vuestra vida. Votre mère. Vuestra madre. Ah non, c'est pas vrai. Ah non, 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 no es verdad. Le premier Dieu de votre vie. El primer Dios de vuestra vida. C'est la souffrance. Es el sufrimiento de votre mère. De vuestra madre. Voilà votre premier.
Ahí tenéis vuestro primer Dios. Okay, al cual obedecéis. La souffrance de votre mère. El sufrimiento de vuestra madre. Mais sinon, pero si no, pour les niveaux superficiels, para los niveles superficiales, de l'inconscient, de l'inconsciente, notre mère, nuestra madre, est notre premier Dieu. Es nuestro primer Dios. Elle nous a tout donné. Nos l'a dado todo. Et sans elle, y sin ella, on meurt. Morimos. Donc elle est notre Dieu. Entonces ella es nuestro Dios. Elle nous a créés. Ella nos creó. Vous le savez. Lo sabéis. Elles vous l'ont toutes dit. Os lo han dicho todas. N'oublie pas. No lo olvides. Que c'est moi qui t'ai fait. Que soy yo quien te hizo. Oui, I love.